Salut à tous et à toutes, c'est Rock07, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un gameplay de Evelyn que je joue en direct comme la game de Kha'Zix dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura le lien de la dernière vidéo. Et donc, allez la voir, ça me fera extrêmement plaisir. Du coup, on est parti sur une game de Evelyn avec ses runes-ci, donc électrocute, rue offensive, arracheur d'œil, chasseur acharné, concentration absolue et tempête menaçante. Pour avoir vraiment du full scaling, donc pour ceux qui veulent un tuto Evelyn, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous en ferai un avec plaisir. On est parti, donc la game c'est Kayle contre Garen, moi je suis contre Kha'Zix, donc un match-up pas évident franchement. Ensuite Veigar qui est contre Ahri, je sais pas du tout ce que ça donne, par contre elle joue Comet la Ahri. Alors là je sais pas pourquoi. Ensuite Twitch contre Tristana et Nautilus contre Karma. On va clairement jouer bot cette game, attention à l'invade. On va clairement jouer bot cette game parce que il faut que je feed le Twitch parce que c'est le seul dégât AD. Donc forcément on n'a pas trop le choix. Donc j'ai wardé mon raid, j'ai bien fait d'ailleurs parce qu'ils ont une invade et je pense que c'est wardé. Je vais utiliser mon brouillard directement. Je pense que c'est wardé. Donc du coup on va juste déward. Du coup j'ai dit que j'allais jouer bot mais je start bot parce que franchement avec Evelyn start up c'est horreur. C'est horrible du coup, j'arrive à parler, c'est bien. Et du coup voilà. Il faut que j'arrête de dire E dans mes vidéos aussi. J'ai remarqué là dans la game de Kha'Zix, c'est terrible, je fais que dire E. À toutes mes débuts, mes fins de phrases. Je sais pas pourquoi je dis ça mais bon. C'est pas grave, on va essayer de se concentrer. Et Bah encore une fois je le dis hein. Et de bien jouer la game. On va essayer un format encore plus condensé que celui de Kha'Zix. Alors attendez, top, ok, la Kayle normalement qui est pas censée mourir hein, contre Garen, en réalité, elle joue TP je crois la Kayle. Bon j'ai loupé le dernier golem, c'est pas grave, le full clear qui est terminé à 3.30, c'est ok on va dire. Kha'Zix c'est là, on va juste ping, on va back, juste prendre une tonne d'amplification avec, hop, un petit sonore. On n'hésite pas, c'est pas grave si on n'a pas les deux carapateurs, il va prendre une petite avance mais c'est ok on va dire. Il y a Kha'Zix là par contre, je peux peut-être gank la botte. Hein. Je vais même gank en fait. Non mais non. Mais je leur dis, pourquoi ils engage à ce moment là? Ah, la botlane qui me troll là, je sais pas pourquoi j'y suis allé moi aussi, mais bon. Ah, le top qui perd, c'est vraiment pas une bonne game. Je sais pas s'il first time ou pas, j'ai pas vu. J'ai pas du tout vu. Mais bon, en général, les Kayle à mon elo, c'est vrai. Les Kayle, pardon, c'est vraiment pas terrible. On va peut-être revenir, hein. On va revenir. Hein. Allez, faut y aller. Oh là là, le Nautilus. Y aller, hein. Allez, merci Twitch de me suivre. Du coup, peut-être jouer autour du Veigar là. Surtout que elle peut pas passer à travers la cage. Donc, Kha'Zix qui est mid. Il a pas back. S'il a back, il a pas fait de CS. Il est allé directement mid. Je sais pas pourquoi. Mal joué de sa part là. Laquelle qui tue le Garen en 1v1. J'ai pas vu. J'étais concentré dans mon clear là. J'aurais dû voir. Le Kha'Zix qui est bot par contre. Ah non, 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 il n'y a pas le Kha'Zix. Est-ce qu'on gagne? Non, on gagne pas, si. Oh, c'est vraiment sad. Oh non. C'est tellement sad. Il y a Kha'Zix bot par contre, on l'a vu. On va juste prendre toute sa jungle top par contre. Il s'est monté bot là, c'est une petite erreur Kha'Zix là, il s'est montré bot alors qu'il avait rien à faire bot. Du coup, on va prendre clairement tous ses camps. Voilà, on va se mettre bien. Allez, level 7, est-ce qu'on peut vraiment la gank? Je sais pas, je pense pas en vrai. On va juste back là, prendre notre un petit power spike, nos bots. Ok, Kha'Zix a été à mon bleu du coup. Ok, il a été intelligent, je l'ai vu là sur la mini-map. Ils vont dive. Je sais pas ce qu'il fait par contre. Hein. C'est vraiment pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il a un bleu? Je sais pas. Ping à ses alliés qu'on arrive pour pas qu'il int comme là. Voilà, le Nautilus a juste à back du coup. Parfait! Le timing est vraiment parfait là. On a clairement bien joué. On va juste enchaîner sur Drake du coup. J'ai un smite donc on peut se permettre le. Ok.
Oh, il le tue pas. Est-ce que c'est greedy le Drake? Je pense que c'est clairement greedy. Parfait, on prend le Drake en plus, c'est excellent là ce qu'on vient de faire. C'était vraiment très risqué le Drake, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais bon. Ça passe donc c'est parfait. Oh, la karma qui est top. Oh. Après, elle a une TP, donc en vrai, c'est pas grave si elle meurt. Après, c'est peut-être pas sûr qu'elle meurt. Hein. Elle meurt clairement pas, donc c'est super worse. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Nautilus? Oh le Nautilus! Oh, oh, oh la gueule du Nautilus là! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il a foutu? On dirait qu'il a du ping sérieusement. Bon, la game qui est ok, je pense qu'on a un meilleur scanning en vrai. C'est sûr même. À part si elle int au top, mais normalement on a un meilleur scanning. Après, la karma qui est restée top. Hein. Ça doit punir là normalement, bot. Hein. Je vais me diriger top. Je pense que je peux jouer les deux si je joue bien après avec le silence de Garen. Ça risque d'être compliqué, je pense flashing là juste la karma et back après. Oh là là, le move oui. Même pas besoin de R. Voilà, de rien pour le move. Donc là ce que j'ai fait c'est vraiment pas mal. En vrai j'ai flash E la karma et du coup après j'ai Q le Garen qui a été charmé. Donc c'est clairement un beau move de ma part là. Surtout que je prends doublé et je me mets ultra bien. On perd la, il perd la tempo bot. Ok. La... La Kayle qui a FK. Je pense qu'on win là. Hein. Je pense clairement qu'on win s'il n'y a pas la Harry là. Non, j'ai loupé. Oh non, j'ai tout loupé. Oh, c'est terrible. Faut qu'il se mette devant, faut qu'il se mette devant. Parfait. Faut juste back, faut juste back. Le Nautilus, je sais pas ce qu'il fait, il est perdu, il est perdu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais le Nautilus, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait là. C'est ah, le zoo cette game. Si j'arrive à back, c'est bien. Oui, normalement c'est bon. Je meurs pas. Oh, mais je meurs! La karma qui est permatop en vrai, c'est terrible. La botlane qui arrive pas. Bah, la botlane qui est en 3-1, c'est ok, mais là on perd la tour top. Oh la chance, j'avais pas mon charme en fait pour ralentir le Garen. Je sais pas si j'ai récupéré à la fin, franchement j'ai pas fait attention. Oh, c'est compliqué là, les amis. Je suis désolé, c'est une phase de game vraiment, mais c'était n'importe quoi cette phase game. Mais n'importe quoi. Le Kha'Zix qui s'est ultra fed là maintenant, il va... En plus il joue mobilité le Kha'Zix, je sais pas, enfin... Ce game elle ressemble à rien. Là je suis désolé, j'ai vraiment pas parlé, c'était impossible pour moi de parler, vraiment c'était impossible. Oh mais non, mais là faut respecter. C'est normal que le Twitch est bot, le Kha'Zix est bot. Il a Draktar. En vrai il est autant bien que moi. C'est dommage parce que... on a le premier Drake, on n'est pas forcément obligé, là je veux juste farmer en vrai. J'ai pas trop envie de jouer les Drake là. Là on a clairement une différence support là, cette game. La karma qui fait le taf comparé à notre Nautilus. Oh la Kayle qui tue en 1v1 Garen, encore une fois. Je... Oh mais le Nautilus, il... je sais pas. Oh, allez. Oh non, mais karma c'est vraiment broken, les amis. Oh, mais karma c'est tellement broken. N'importe quoi, pourquoi je meurs là? Oh le Kha'Zix c'est overfed. Mais c'était pink, je sais pas par où je suis passé. C'était peut-être pink en vrai. Oh là là, mais le Kha'Zix c'est tellement bien dans la game maintenant. Alors qu'il fait rien depuis le début. Oh là 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 là. Mes alliés trollent tellement. Et là j'ai trollé du coup avec eux là. Je veux tellement le kill, oh. C'est n'importe quoi, le Nautilus qui fait n'importe quoi. 0-5-1 contre 1-2-9. Oh. Bon c'est pas grave, on va essayer de carry là. Ok ça va, mais le Nautilus c'est pas possible. Je vais pas le ping, mais c'est pas possible le Nautilus en vrai, il sort d'où?
Je sais pas, dites-moi, je sais pas d'où il sort. Hein. Ok, là, j'aimerais bien qu'il ait deux. Il y a la Harry, évidemment. Qui c'est qui a une grosse synthèse? Ah, j'ai pas réussi à QAC là, dommage. Tant pis, bon, c'est pas mal. On essaie de prendre des kills par-ci par-là. Dommage, heureusement qu'il n'y avait pas le Kha'Zix par contre. Là, ils viennent de prendre Erad plus Drake. C'est vraiment ça de la game, hein. C'est compliqué à la jouer là. J'ai pas très bien joué là, bot. J'aurais dû Q, plus de Q. Mais en vrai, je voulais pas me faire CC par la Harry, donc j'ai R directement pour prendre un kill. Ah, il me ping. Ah ouais, ok, bon, le Nautilus c'est chaud, 0-6-1. Ah, je vais juste back là. Il y a le Kha'Zix qui arrive en plus. Il a amélioré le E là où j'ai rêvé. Bah le disrespect. Oh mais il a flash. Non mais non mais. Mais il peut me ping. Non mais. Non mais attendez là, c'est vraiment ma faute là. Mais regardez le Twitch, il se balade tout seul et il s'étonne que le Kha'Zix prenne des kills. Enfin. C'est n'importe quoi ce game sérieusement. Oh il a E, il a E, c'est le moment. Il a une grosse synthé sur lui là. Quoi? Ah mais d'accord, Kha'Zix a dû smite le raid. Ils sont complètement ravagés à Stello, c'est très grave. Faut turn, allez. Il a des mercures que... Il est tellement sorti vite de la cage, bah, j'ai pas vu mais... On va carry ce game les amis, je vous jure qu'on va la carry. Faut juste avoir l'inté là, Kha'Zix il a 700 PO. Oh, faut vraiment l'avoir par contre, pas sur les autres parce que les autres... Ok il a TP donc ça va. Laquelle, est-ce qu'elle a une TP? Oh là-bas, ok. Ok parfait là, j'ai pas R parce que je vais garder mon R pour notre fight là. Ok. Oh là là, ce move, oui. Let's go. Oh c'était bien joué là, c'était propre mécaniquement, c'était compliqué mais on a réussi à kill. J'ai pas vu le Kha'Zix par contre, je sais pas où il est. Je pense qu'il a kill top mais je sais pas, je pense. Hein. Oh let's go. Là c'est clairement un move très rentable là, je suis pas mort par la Harry en plus, fallait vraiment pas que je meure. Oui, on va kill hein. Oui, il a été à 1000 sur moi en plus. C'est clairement le move de la game là les amis, le Kha'Zix qui a trollé, je sais pas pourquoi il a voulu suicider pour un deuxième Drake là les amis. C'est clairement une grosse erreur de Kha'Zix hein, je sais pas pourquoi il est venu. Dans tous les cas on allait avoir le Drake, surtout qu'il y avait la cage de Veigar pardon. Et je sais pas pourquoi il a kill, là j'ai eu deux intés, enfin non une inté sur Kha'Zix. Heureusement que je suis pas mort, vraiment heureusement, parce que sinon ils allaient avoir le Drake. Heureusement que j'ai smite aussi. La Harry, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gagné le 1v1 là à la fin. C'est parfait. On revient très très bien dans la game là. Je sais pas si on va l'avoir là. Parfait, mon flash était un peu trop. Oh là là, oui. Twitch qui tue la Harry en plus, c'est parfait. On fait clairement des bons moves là. Ça a charme, parfait. Let's go. Laquelle faut qu'elle back? Si elle back, c'est clairement game là. Enfin, c'est pas game, mais on va juste essayer de la... Ah, attendez, si on kill le Kha'Zix là. Oh, c'est parfait ce qu'elle fait, laquelle. Oh non, 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 non. Je me mets devant. Oh, c'est très close, hein. Ok, c'était vraiment close encore là. Oh, cette game, elle est vraiment très intéressante là, les amis. Je vais prendre une Banshee, les amis. Hein. Je vais clairement prendre une Banshee là. Bâton du vide, il est pas utile. Je one-shot tout le monde, à part le Garen. Et encore, il a pas d'RM. Donc, je pense que je vais clairement prendre une Banshee. Après, j'ai pris une baguette magique. Je sais pas si... Oh, j'ai trollé. J'ai trollé mon build là. Peut-être prendre un Mejai, en vrai, je sais pas. Là, je prends la wave, personne la veut, bah tant pis, je la prends du coup. C'est pas bien de se montrer avec Evelyn, mais bon. Donc, je vais continuer du coup sur le bâton du vide, hein, tant pis. Si on le tue, c'est bien. Est-ce qu'on le tue? Oui, on le tue, c'est parfait. J'aurais dû prendre un Mejai peut-être. Il y a Kha'Zix là, il a que deux items ennemis, en vrai, on peut peut-être fight là. Hein. Oh oui!
Oui, bah non. Ah si, on fait du 1 pour 1 avec le Kha'Zix, c'est vraiment pas mal. Je me mets dans le bush là pour pas caler la vision. C'est pas mal ce qu'on a fait. Laquelle qui tu top en plus? Parfait, le smite, et on va ça libère la T1 mid. Là, je suis vraiment concentré dans la game les amis, je suis désolé si je parle pas trop, elle est vraiment compliquée. On peut pas pouvoir la prendre. Si on la prend, on la prend. Allez. Allez. Oh j'ai pas pris le dernier coup de tour là, what the fuck. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, je vais juste aller chercher mon bâton du vide là. Oh, la Kayle qui fait le café, sauf qu'elle meurt. Bon, elle fait du 1 pour 1 avec Garen, c'est ok en vrai. Vu qu'on va prendre le Drake, on sera en 4v4 donc... c'est ok. Il faut que j'arrête de dire ok aussi. Est-ce qu'on prend un Mejai? On va prendre un Mejai peut-être. Oui, on va prendre un Mejai à la place du bâton du vide, tant pis. Je grille le Mejai, je sais que je vais mourir hein, vu que j'ai pris le Mejai. C'est obligatoire, je vais mourir. Le Nautilus, je sais pas trop ce qu'il fait là. Ok, le Twitch, s'il peut toucher, c'est parfait. Oh, non. Mais pourquoi il a pas tué Karma? Ok, parfait. On va juste prendre le... La Harry qui a été top là. Je pense qu'ils vont kill. C'est la TP de qui? Qui c'est qui a une TP de Garen? Je sais pas si... Oh. Oh, mais je loupe tous mes charmes. Parfait. Voilà les amis. Pourquoi ne pas tilt? J'aurais pu tilt hein, quand ils m'ont perdu ma ping là. Mais je ne tilte pas et du coup je fais une grosse game. J'ai juste mute. Et voilà. Faut juste muter ses alliés en fait. Surtout à notre elo. Et en plus en étant jungle, c'est encore pire. On va pas négliger le farm là. Je néglige trop le farm cette game. Bon après j'ai pas de jungle mais je néglige clairement le charme. Le farm cette game. La Tristanex est montée bot et qui veulent faire le Nashor. Je sais pas si c'est bien worse. Oula, un petit lag. Petit freeze. Remarquez, on le one shot avec la Kayle, hein. Oui. On le one shot. Oh, le bon call là, je sais pas qui a lancé le call. Mais un call qui est vraiment worse. Après, la Kayle l'a vraiment one shot, donc c'est parfait. Là, je peux me permettre des choses, hein. Oula, pas trop non plus. Ah, j'ai pris le charme. Bon, on kill quand même, c'est parfait. Là, on va juste push, hein, on va juste push. La Kayle, au final, qui fait une bonne game, en vrai, elle a bien speed push, donc c'est parfait. Elle fait du 1 pour 1 top. Ah bah non, 2 pour 1. Bah voilà, merci Kayle, level 17. Voilà. Je vous l'avais dit, de toute façon, on avait le scanning. Mais elle était vraiment pas gagnée, la game. Fallait vraiment pas tilt. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mutol, donc c'est un bon call de ma part. On peut juste finir la game, là. Hein. Moi, je fais très très mal au tour en late. Hein. J'ai beaucoup d'AP, là. On a combien d'AP, là? 711 d'AP, vous imaginez? Là, je fais juste la flash. Hein. Oh non, je l'ai pas eu! Dommage. Voilà la game, les amis. Donc, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Pensez à liker, à aller voir mes autres vidéos. Je vous mets le lien dans la description. Et à bientôt, les gars. Ciao!